La combi entre les jambes. Qu'est-ce qu'il y a, ma combi entre les jambes? Une pied à molette ou t'es juste content de me voir? Ouais, non, le pièce d'un pantalon ou t'es content de me voir? Je crois qu'il n'y a pas de place, non. Moi, j'aime bien le doublon de rire un peu gracieux. La binouze, vraiment. Après, ça me rend heureux. Quand après une vanne, t'entends un rire, t'as Jean Dujardin, tu sais. Heureusement, timide comme Canteloup. Bonjour, putain. C'est Emmanuel Macron. On dirait Ligaya avec Charles Leclerc. Bonjour, c'est Charles Leclerc. Ah bah, ouais, c'est lui. Bonjour, c'est Squeezie, c'est bon pour vous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'un best-of en open lobby. J'ai rejoint Yann et Hydro sur une fin de soirée en open lobby et c'était plutôt marrant. Donc je vous la présente aujourd'hui en vidéo dans ce best-of. J'espère que ça vous plaira. Et comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce que vous êtes quand même dans les 70% à ne pas être abonné lorsque vous regardez les vidéos sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner. La petite cloche, ça fait plaisir. Le like, le commentaire pour l'algorithme. On le nourrit cet algorithme YouTube et on y va petit à petit. Et aussi, si jamais, je suis sur Instagram, pirja.p, Twitter, tout ça, tout est dans la description. N'hésitez pas à aller me suivre sur les différents réseaux, ça vous permettra d'être au courant lorsque je live, de ce qu'on fait, la semaine et tout. Tout est sur mes différents réseaux. J'espère que la vidéo vous plaira et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Oh, on revoit les drapeaux dans l'open lobby, let's go. Non, mais parce qu'avant, c'était chiant quand tu faisais des open lobby. Ah oui. Savoir qui était de ton live et qui ne l'était pas. Parce qu'il n'y avait pas les drapeaux. Maintenant, un drapeau français, belge, tout ça, on sait. Non, mais parce que du coup, Pierre, c'est bon à savoir, tu n'acceptes que les Français dans tes lobbies. Genre, on peut le dire dans mes lobbies, je vire les étrangers. Ouais. Je vous ma gueule, je suis sûr que tu vas mettre le drapeau du Portugal, toi. Non, non, moi je fais une année sur deux. Moi je fais une année sur deux. Et t'as mis l'étrage ou pas? Bon, les gars, tu peux les mettre là? Allez. Il y a les dégâts. Pitié, il y a les dégâts en simulation. Oh, il y a les dégâts. Il y a les dégâts. Ok. Il y a les dégâts. Il y a les dégâts, tout le monde. Freinez. Mais arrêtez de t'assis. Qui va abandonner? Alors, la Strati Racing, on prend les virages bien à l'intérieur, comme ça on se fait pas emmener. Là, tu peux tester de frôler un mur vite fait? Je l'ai déjà fait, ouais, je suis expert là-dedans, pourquoi? Maintenant, si tu touches un mur, tu perds 5% sur ton pneu en user. Ah ouais? Pas mal. Ça fait moins le mariole, hein? Allez, ça commence. Ah, maintenant, mais les dégâts de simulation, il est bien propre le lobby, hein. Allez, encore 20 tours, les gars, come on. Ah oui, moi je pensais qu'on était pas super 5 tours. Oh Yann! Oh là là, let's go. Chaud. En vrai, ça roule mieux que ce que je pensais. Hein. C'est les dégâts simu, ça calme les nerfs. J'y vais quand même. Hein. Est-ce qu'on peut parler de la note de Nando Norris? Pour savoir. Il y a 2-3 notes. Oh, j'ai pas signé les boutons. Oh! Mais non! Mais non! Mais non! C'est moi qui le fais vraiment! Il m'a dégommé! On peut raccrocher une roue si elle est plus attachée à la voiture ou pas? C'est pour un pote. Question de off-track, super. What happened? I push him, he push me back. Ça ne fait. Dommage d'avoir une île au sol et de se mettre dans le. Les gars, trouvez le commentaire du gars et dites-moi son pseudo, je le banne ici. Après, il y avait un kappa derrière. Hein. Ah, bah si, un kappa alors! Ta gueule, arrête de parler, kappa. Ah, bon, bah ça va là. C'est bon, les gars, il avait un kappa. C'est bon, je le bannerai pas. Ok, let's go, ça repart. Oh, le départ! Oh, j'ai un truc d'un rouge encore. C'est un vrai départ? Ouais, c'est un vrai départ. Y'en a, vous avez jump le start là. Mais attends, mais y'en a, vous avez. Oh, le big one! Red flag! Yes, si vous passez par là, it's good. It's working good. Non, it's good. Ça fonctionne, vous inquiétez pas. Tout va bien. Flag. Ah, ça. Ça, red flag dans ta gueule. C'est que pour les petits ou. Oh, mais allez, viens là. Vraiment, le duel de débile sur lequel je suis en train d'assister là, c'est effrayant. On est en ghost. Toi, t'as mal fait les paramètres aussi. Y a les fantômes, frère. Ça marche pas de ouf, je crois. Au milieu, ouais. Bizarre ce concept de voiture à 3. Putain. Il a voulu te rentrer dedans, t'étais en fantôme. Il a pris le rail. Y'a drapeau jaune, secteur 1, 2, 3. Les gars, je me suis permis une petite spécificité pour cette course. Une spécificité? Homer Simpson, ça va quoi? Vu que vous vouliez pousser la vue au cockpit, je me suis dit en tant que vrai pilote, on va désactiver absolument toutes les aides en plus. Donc. Donc là, y'a plus aucune aide. Pas de soucis. Ah, t'as mis le son là? T'as pu le changer ça aussi? Moi, c'est pareil. Alors le bruit, hein. Ah, forcément, y'en a, y'a pas l'anti-patinage. Oh merde! Et les gars? Non! Ne niquez pas! Oh putain! J'adore. Bon, après, il y en a un dans le lobby. S'il finit pas premier, on rappelle qu'il fait 10 000 lobbies F2 avec Victor Martins. Donc, bon, attention. Ouais, alors sache que Victor me tabasse sur chaque lobby. Donc. Bah, encore heureux, comme c'est son métier.
l'impression d'être sur Assetto. Il te manque Assetto en vrai. Oui, un échappatoire, je l'utilise. Hein. Oh, le long lap au virage 2. Virage 1. J'ai peut-être freiné un peu fort, pardon. On me disait qu'elle freinait pas, du coup je me suis dit bah là je vais bien freiner. Paramètre. Non, c'est le paramètre audio, je voulais vous mettre le son du casque. Ok, c'est entre toi et moi, mon coco. Non. Paramètre audio. Jeff, il me manque un bout d'aileron. Non, c'est mort, c'est mort. Reste dans ta zone, reste dans ta zone. Non, mais j'ai plus d'aileron. I destroy the car. Je te jure que je t'ai pas touché. J'ai senti quand même un sacré truc me prendre le pneu et m'emmener dans le mur. Bon, est-ce qu'on enlève le truc cockpit ou vous voulez que je le laisse? Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Ça moi je vous le laisse hein, si vous voulez, y'a pas de soucis. Hein. Je me suis régalé. J'aime bien aussi. Je vais juste remettre les aides pour ceux qui ont l'habitude de jouer avec genre un patinage. Eh, j'ai passé la ligne d'arrivée, normalement ça compte. Ah, j'ai des gants vintage. Le seul problème de ces gants, ils sont trop bien, mais ils sont verts quoi. Vert comment? Il y a deux types de verts, ça dépend. Non, il y a le vert dégueulasse et le vert infâme. Attends, le vert dégueulasse, il vient de qui là? Attends. Du Portugal, voilà. Bah, oh, le vert dégueulasse, c'est le vert de Tadea. Ah bah ok, sympa. Il aime pas le vert, il aime pas les gens qui jouent avec la trash, je commence à prendre ça personnellement. Bah, tu peux hein. Quel sage part. Vous avez du bleu blanc rouge? François hein? Le français. Merci, j'attendais que quelqu'un fasse. Voilà, entre Pierre-Jacques qui évoque des Français, Yano qui s'habille d'être en bleu blanc rouge, voilà quoi. Oui. Ouais, on peut même pas dire qu'on aime pas les étrangers, non mais vous vous rendez compte? Allez, vous êtes sûr qu'on voit bien le panneau hein? Aïe. Après c'est vrai que bon, les pilotes portugais streamers sur peur, Twitch... J'ai peur. J'allais dire quoi? Bon, en fait, après ma vanne, après, c'est vrai que. Je me suis imaginé la scène, ça me faisait hurler de rire. Y'a plus le point d'exclamation display, les gars, non plus. Non, mais y'a plus rien là, t'es fauché? Exactement. Il a tout mis dans le Canada. Ah oui, c'est possible. C'est possible. Voilà, mais non. J'ai oublié de faire la strat racing, moi, de mettre à l'intérieur. Ouais, bah si t'avais vu mon volant. Attendez, tous les deux, je me glisse entre vous. Ah! Si je peux. Non, Yann. C'est mon écran, il a fait un. Putain, il a un écran, c'est une tapisserie, il m'a pas vu dans le rétro. Ah ouais, ça va. Oh, vas-y, je t'attends, on va se battre, viens. Mais non, je suis trop rapide pour toi. Oh bah alors là, vas-y, je me casse, hop. C'est quoi ce frein? Il m'a niqué le rond, j'avais rien. C'est mon écran, il s'est éteint là. Clipez pas. Clipez pas. T'as des dégâts, Yann? Faut que je regarde, j'ai pas l'impression. Attends. Non, c'est bon, ton aileron va bien. Je crois que tu voulais me break check. Attends, tu vas en avoir un bientôt. Ça aurait pu, putain. Même si moi j'ai des dégâts, c'est pas grave, je serai plus rapide quand même. Waouh. Oui. Ils sont où? Bien sûr les gars, quand vous passez une vitesse, vos persos ils bougent les doigts, heureusement. Attends, t'avais pas dit que tu partais P20, Jus? Non, je partais P7. Non, tu partais pas P7 non plus. Si, j'étais P7. J'étais juste derrière toi et toi. En tout cas, si tu demandes, Yann, ton fond plat il est bien fixé. Ça marche. Tu m'attends, Jus? Non. D'accord. Bon, Skyzy, j'ai un héros en moins, t'avances un peu? Ah, je t'appelle chrono héros, pour voir. Bon, bah, j'ai encore moins de fond plat là. Pardon. Oh, comment il est arrivé vite? Oh, bordel! Mon fond plat n'est plus accroché. Comment ça? Non, moi c'est écrit, il est très bien. Non, ton fond plat tout par terre. Non, il y a écrit fond plat good. Sur le volant, c'est écrit ça. C'est RP. Bah, Victor est confiant là, c'est écrit ça. Ah mais attends, t'as mis 3 tours toujours là? Oui, c'est bien, Les règles n'ont pas changé. Oh, le départ dans un que je vais faire, attention. C'est qui, GP1? C'est moi, bientôt. Let me cook. Oh là là! Oh, le départ dans un que je vais faire, attention. Derrière toi, Chris! Oh là 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 là, derrière! Let me cook! Je me suis vraiment... Bah, je crois que tout le Big One part de... Pas de moi, mais de quelqu'un devant moi. J'ai enclenché la marche, quoi. Un bout d'aileron qui est pas bon. Ah, c'est le mien, tu me le rends? Non, sachez que Hydro ne fait que des imitations de Toto Wolff quand il est en émission avec Julien Febro. Non, c'est plus fréquent. Parce que c'est souvent Julien qui me demande de le faire, il me fait « On a Toto Wolff, du coup, en duplex oui, !» C'est vraiment... Toi, t'es là en mode « Ouais, t'es fou !» Tu as dit « Tu as un gros blanc, c'est sur Canal ?» Non, je suis pas, non. Je le fais plus, j'ai été désintoxiqué. Mais surtout qu'il est invité sur Canal Plus juste pour faire Toto Wolff. Ah bah, là, c'est devenu, tu sais, genre j'ai une carte à l'entrée. Toto Wolff imitateur.
Vous savez quoi, si je croise Toto Wolff au Canada, je lui demanderai un avis sur son imitation, enfin sur mon imitation du coup. Putain, mais du coup il faut le practice. Bah ouais, je le practice un petit peu avant. De toute façon, il y a l'avion pour ça. Hein. Les 7 heures, tu sais, t'es en train d'essayer de dormir, t'entends derrière. Et on pense qu'on va atterrir dans Vapor Place. À noter qu'il a enlevé son micro, mais j'ai au cas où. Non, justement, pour le RP dans le siège d'avion. Ok, d'accord, oui. Oh, il a réussi à me faire perdre 4 dixièmes en rigolant. Oh, commence pas à camoufler ton manque de rythme par les blagues de Pierre-Jean. Tu l'as bien Pierre-Jean en plus, non? Oh non, 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 de loin, avec le micro de loin. D'accord. Quand il est muté, quoi, genre. Hein. Voilà, c'est comme les sosies, quoi, de loin dans le noir, de dos, ça passe, quoi. Après, c'est vrai que regarder derrière au niveau du son, ça, t'as une impression de bouffer d'air frais. Ça te ruine, toi. Hein. Ça casse tout. Ah, moi j'ai l'impression de bouffer d'air frais quand même. Non, mais il respire, que... il sort la tête. Comme si t'étais dans le casque à fond dans l'F2 et d'un coup. Par contre, j'ai pas d'aileron, pas de fond plat, mais j'ai un rythme pas dégueu. Oh, j'avais jamais fait gaffe, le pilote il a lâché les deux mains du volant. C'est un malade. Effrayant. Alors, effrayant. Pour le fun, effrayant. Il fait évidemment Paris à Las Vegas, mais du coup, bah, vu qu'il termine en virage, c'est pas hyper grave. Oh la gueule, oui, j'avoue, le mec. Oh, allez, elle est dans la direction. Vous voulez une qualif à Monaco? Ouais. Et une qualif sous la. Non, mais moi je pensais sous la pluie. Tu nous fais chier. Et une qualif. Tu nous fais chier. Ok. Trop content, les copains. Je suis pas serveur, je vois que là tu commences à déballer ton menu. Non, non, ça ira. Alors moi, ce sera une qualif en un tour avec. Une course sprint de 3, s'il vous plaît. Le mec qui est content d'arriver dans un groupe, il se fait bannir. Ouais, génial, les gars, trop drôle. Ouais, trop marrant, mec. Ouais, c'est Greg. Oh là là, oh là là. Oh putain, oh, j'étais flops. Pas prêt de ça. Oh là là. Oh, par contre, lui, tu me le dégages, hein, je veux plus le voir. Oh putain, on l'a pas vu venir, j'ai eu un frisson. Oh, j'ai eu un frisson. Et c'est pas simple, hein. C'est que le OC Greg, il m'a fait mal. Oh putain. Ah, oh, ça fait mal, non. Oh là là. Mais il vous a pas plu, mon petit OC Greg? Non, ça ira, ça ira. Reste dans ton coin, prends ton temps, respire. Allez, bois de l'eau, ça ira. Ça va, respire, allez, ça va, allez, respire. Toi, c'est Chris, c'est pas Greg, allez. Au moins, on est tranquille, il va pas faire un montant en calife. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Il est malade. Il s'est fait rire tout seul. Ouais, il s'est fait rire tout seul. On va pas se mentir, en vrai, ça en devient drôle du coup. Mais... bah oui. Putain. Okay. Les gars, les freins, ils m'ont poussé jusque. Il y a un mec, il m'a poussé jusque. I hit the wall. Non, hey Max, vraiment, on te déteste. Mais non, mais freine derrière, freine. Oh là là. Non, ça c'est mon fond plat, ça. Alors là, fond plat pour fond plat. Hein. Dent pour dent, fond plat pour fond plat. Hein. T'as Pierre-Jean les dégâts ou... Non, j'ai plus de fond plat. J'ai envie de voir Pierre-Jean se vautrer. Bon, alors là, tu peux toujours rêver. Hein. Mais t'es connecté à ce Snapchat, ça arrive très très vite. T'as dit sur Snapchat? Oui, parce qu'il a un business à côté. Ah ouais, la référence et tout là. Oui, donc toi, Kick, Snap, c'est vraiment... Hein. T'as un Telegram pendant qu'on y est ou... Periscope. Non, il a un mime. Oh, lien. Moi j'ai un compte mime, et alors? Bah t'es libre de ton corps, Julien. Bah j'ai pas dit que je postais par contre. Ah, t'es abonné? Il a mime parce qu'il est... Ouais. Ouais, je suis client, ouais. Superbe la chicane, Pierre-Jean. Merci, superbe. Mec. Je suis client à un seul compte sur Mime. À mon compte ? Non, à un modeur assez tôt encore ça. Mais je vais hurler, putain. Ouais, bah ouais, parce que du coup, les mecs ils veulent se faire des thunes, donc il faut passer là en mode payant sur Mime. Ah oui, non, c'est Patreon, toujours. Merde. Ouais, parce que je me disais, le modeur il se fout à poil en fait. Genre, je comprenais pas. Ah non, dans la vie, je fais des mods assez tôt, et à côté, je me fous à poil sur Mime. Je mode avec ma bite. Merde, putain, j'ai confondu. Ah, c'est la même chose. La même chose, non? Ah, pour la pro, la question. C'est mieux en 2024. Connexion au serveur hier, impossible. This is fine. Mais hier, nous, on jouait en fait là. C'est... on était en train de jouer, quoi. On bosse pour vous, hier, de base. On bosse pour vous. Alors, mais on voulait jouer, Putain, Tant pis. Ah putain, EA, ils nous ont dit stop. Moi, je vais devoir arrêter, les gars, j'ai des trucs à faire. J'espère que c'était cool pour vous, ce petit open lobby. J'ai trouvé ça très marrant. J'ai lancé un peu en sauvage. C'était très drôle. Je vous souhaite une bonne nuit. Et puis voilà.